D'après une idée d'Agnès Geoffriot et Flore Angèle, Antoine a écrit une scénette, Le retour de l'enfant prodigue. Le fils unique du boulanger, âgé d'environ 17 ans, est parti du foyer familial depuis 3 ou 4 ans, à la suite d'une énième dispute avec son père, conflit de génération sans doute. La scène se situe à l'époque où le progrès fait son entrée jusque dans les fournils. Le boulanger vieillissant est contrarié d'une part par la lutte qu'il doit mener contre son concurrent qui vient d'acheter un pétrin mécanique et d'autre part par ce fils dont il est sans nouvelles et qui ne prendra pas la suite, croit-il. Et que le coq commencera à chanter pour mieux vous réveiller, moi, je sortirai les pains du four. Et ils seront dorés. Mais dorés, comme un champ de blé sous le soleil au mois de juillet. Et ils seront fendus, une fente large, comme l'éclat de rire de Jean, notre ancien boulanger, lorsqu'il réussissait à me faire une bonne blague. Et ils seront bons, mais tellement bons, qu'on ne dira plus, j'ai mangé du jambon avec une tranche de pain, mais j'ai dégusté une tranche de pain avec du jambon. J'en ferai aussi 5 kilos pour les pauvres. Et vous y trouverez un goût d'amitié, de grande amitié. Parce que moi, de l'amitié, j'y en mettrai beaucoup, mais beaucoup, et même plus que beaucoup. Et alors là, je vous dirai un grand merci. Parce que mon fils, qui est parti, eh ben il sera revenu. Et bonjour tout le monde. Bonjour madame Louise. Et bien, il sera bon le pain ce matin? Mais pourquoi il serait pas bon? Mais vous avez une drôle de tête ce matin. Oh, j'ai Saturné que je veux conduire bon pour ce faire la de fils. Ah ben vite, justement, ça me je l'ai vu ce matin près de la fontaine. Il n'a pas l'air heureux, hein. Tu as entendu Saturné? Il va venir, peut-être. Oh, si oui, mais il va s'en ramasser le dos, je crois. Il n'aura pas volé, ça là. Tu peux me dire ce que tu as fait pendant tout ce temps? J'ai beaucoup voyagé. Ah,
Ça, je me doute que tu as voyagé. Mais j'ai jamais mangé du pain aussi bon que le vôtre. Mais si tu avais trouvé du pain meilleur que le mien. Mais d'abord, ça m'aurait surpris. Et puis, ça m'aurait fait beaucoup de peine. Terry, sais-tu que notre voisin, le grand Robert, avec qui je suis fâché depuis longtemps, eh bien, il n'hésite pas à m'envoyer ses filles tous les matins. Tantôt c'est Laure, tantôt c'est Bérénice. Alors moi, bien sûr, je fais comme si de rien n'était. Alors s'il n'était pas bon, mon père, ben, il irait chez le collègue Bernard. Père, pour quelle raison vous êtes fâché avec Robin? Vous étiez bien amis auparavant. Pourquoi on s'est fâché? Oh, puis je peux bien te le dire maintenant. Tu t'en as, je te comprends. Figure-toi que tous les matins, quand il venait chercher son pain et qu'il n'y avait que ta mère dans la boutique, c'était des « Bonjour, madame la boulangère, comment le sang vous mis chez ce matin ?» d'une voix mielleuse, en jetant un regard lubrique sur la chancrure du corsage de ta mère. On peut toucher en voyant les mains pour palper. Et moi, j'ai aucune histoire. Et moi, j'étais là. Ta mère. Je voyais rien. J'entendais tout. Et je serrais mes poings. Et je serrais mes dents. Le coquine des sorts. Et ta mère, mon cher, j'osais pas intervenir pour pas peur de perdre le client. Et ta mère, mon cher, elle se défendait comme elle pouvait. On ne touche pas le père avec les mains sales. Le coquine des sorts. Quand j'y repasse, ça me fait. Et un matin, je suis sorti comme vous. J'ai pris un pain et je lui ai mis dans la figure. Vous avez bien fait, père. Vous avez bien fait. Enfin, voilà. Tu le verras demain matin. Sais-tu qu'elles ont bien grandi depuis que tu es parti? Oh, ça oui. C'est devenu de bien jolies demoiselles. On laisse dire laquelle des deux est la plus jolie. Sans doute Bérénice. Oui. C'est tout le portrait de sa mère. Enfin, voilà. Au fait, sais-tu ce qu'il a fait, le Bernard? Non. Il a fait venir de Marseille un pétrin mécanique. De Marseille? Un pétrin mécanique? Tu as bien entendu, fiston. Un coquin de sort. Un pétrin mécanique à entrevaux. Et sais-tu avec quoi il va le faire tourner, son pétrin mécanique? Non. Avec l'électricité. Avec l'électricité? C'est comme je te le dis, fiston. Elle ne te l'a pas dit, ta mère, dans ses lettres? Non. Elle ne m'a pas dit quoi? Eh bien, ça avait passé des choses depuis que tu es parti. Ils ont construit une centrale électrique au bord de la Chavagne, juste au-dessus du moulin à farine. C'est l'eau du canal d'arrosage de la Cesse qui fait tourner la turbine. Oh, il n'y a pas bien longtemps qu'elle fonctionne. 5 ou 6 mois. La plupart des entrevalets se sont envolés. Et bien sûr, le collègue Bernard. Et vous, père? Ben moi, j'hésite. J'attends de voir. D'abord, ça coûte cher l'installation. Et puis ils viennent là, ils te mettent un compteur, et si tu oublies d'éteindre la lumière, le compteur y tourne, et à la fin du mois, TV, adieu le bénéfice. Et puis, ça ne fait pas une bonne part. Pour faire du bon pain, la pâte, elle a besoin qu'on la touche. Elle a besoin de notre énergie. Elle a besoin de sentir qu'on l'aime. Et lorsque tu la laisses se reposer dans la chaleur des bras du pétrin en bois de noyer, elle y est tellement heureuse pendant 30 minutes qu'il lui prend l'envie de gonfler et de donner naissance à une multitude de pains au bout de noix. Tandis que le pétrin mécanique, c'est de la ferraille. Et la ferraille, c'est froid. Et une pâte qui a froid, eh ben, c'est comme une femme. Elle a du mal à démarrer. Tu vois ce que je veux dire, fiston? Je vois bien, père. Mais un pétrin mécanique pour le... Et puis, s'il tombe en panne, ils vont manger quoi, les clients? S'il n'y a plus d'eau au canal, la turbine s'arrête. Et l'électricité aussi. Non. Ça ne m'emballe pas du tout. J'ai encore des bras solides. Tu m'entends, fiston? Oui, je vois bien, père. Mais tout de même, un pétrin mécanique... Écoute, fiston. Tu as le geste, tu as la manière,
Et puis tu es fort. Mais surtout, je vois dans ton regard que tu as l'amour du travail bien fait. Et ça, fiston, c'est très important, l'amour du travail bien fait. Alors si tu le veux, faisons un morceau de route ensemble. Car crois-moi, nous ne serons pas trop de deux pour lutter contre le pétrin mécanique. Et puis si demain, tu t'aperçois que je n'arrive plus à voir si les pains sont cuits au fond du four, tellement mes yeux sont usés par toutes les belles et les vilaines choses qu'ils ont vues. Si tu me vois avec mon nez qui va toucher le parterre tellement mon dos crie de douleur, arme de mon fiston. Si je suis plus bon à rien, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, tu iras voir le collègue Bernard et tu lui demanderas l'adresse du marchand de pétrin mécanique. Mais en attendant, retourne tes manches et mettons dans l'ouvrage, car je leur ai promis un pain comme ils n'en ont jamais eu. Dans le rôle de Madame Louise, Dominique. Dans le rôle de la femme du boulanger, Michel. Dans le rôle du mitron, Lucien. Dans le rôle du fiston, Bruno. Et dans le rôle du boulanger, Antoine. Sur une mise en scène de Bruno Terrasse. Et du fiston, rappelle-moi un peu le nom de ce grand as qui est à la régie et qui nous donne des cours de théâtre. Serge Arnaud. Et Serge Arnaud. Oh.